Good morgen, allez, Iden, les tutres aujourd'hui, le Lynchmat, Avar Mordechai, Ben Yitzhak, Befani, David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dvora, Bat Esther, et Rachel, Rachel, Bat Sarah. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étions dans le secret de votre Perek, et Mishnah Gimel. Ayavam, Eno, Ma'achil, Batrouma, Asta, Shisha Chodashim, Bifne, Abal, Shisha Chodashim, Bifne, Ayavam, Vafilu Kulan, Bifne, Abal, Chaser, Yomichad, Bifne, Ayavam. Oh, Kulan, Bifne Yavam, Chaser Yom Echad, Bifne Yabaal, Ena Ochelet Batrouma, Zo, Mishnah Rishona. Bedin Shelachare, En Amrou, Ena Isha Ochelet Batrouma, Ad Chetikenes Lachoupa. En rapport avec la Mishnah précédente, on avait vu de quelle manière un Arous, un fiancé, donne à manger, il devient imposé de manger, de donner à manger à sa fiancée après 12 mois. Et s'il est Cohen, il peut même lui donner à manger la Trouma. On va expliquer un petit peu mieux. D'abord, j'ai introduit plus clairement, comme ça, après, on va s'aller plus vite pour la Mishnah. À l'époque, bien sûr, on avait Kiddushin et Nisuin. Kiddushin, c'était les fiançailles, on donnait la tabat, arrête me gounichetli, la femme devient le bien du mari. Quand on se marie avec une femme, on fait une acquisition de la femme, on l'acquiert. Elle devient le bien du mari. D'accord? Ça, c'est les Nisuin, et c'est les Kiddushin. Depuis le moment des Kiddushin, cette femme, elle appartient à quelqu'un. Si jamais elle a un rapport avec quelqu'un d'autre, c'est un adultère de la Torah, elle est passible de mort, c'est très grave, mais pour le moment, ils n'ont pas le droit de vivre encore pour le moment, ils n'ont pas le droit de vivre encore, elle vit encore chez son père. Pire que ça, il y a plein de halakhot. Si toutefois, elle décède, son père, et qu'elle est une famille de Cohen, alors qu'elle s'est jamais avec un étranger, elle pourra, son père et ses frères, ils pourront partir à sa levaya. Après, ils pourront partir à son enterrement. Alors qu'une fois qu'elle s'est mariée, ils ne pourront plus partir à son enterrement, parce que maintenant c'est fini, pour le frère spécialement. Elle a la chotoa betula, charloïta leish, laïtama. D'accord, il y a toutes sortes de lachot qui font qui définissent une femme fiancée ou une femme mariée, elle change de statut. Par rapport au devoir du mari de nourrir sa femme, on a vu normalement le mari n'a pas le devoir de nourrir sa femme pour le moment, jusqu'à qu'elle devienne sa propre femme, concrètement, qu'elle vive avec lui. Mais on avait vu qu'il passe 12 mois depuis le moment où il décide de se marier. Il lui dit, bon, maintenant, on commence à se préparer, parce que ça y est, si je veux, maintenant qu'on commence à vivre prochainement ensemble, ils ont 12 mois pour s'organiser, chacun, elle, qui prépare ses bijoux, lui qui prépare tout le nécessaire pour le mariage, et arrive la fin des 12 mois. S'il y a un quelconque empêchement, il a l'obligation de nourrir sa femme. D'accord? Elle n'est plus sur le compte de son père, elle est sur le compte de son mari, maintenant, désormais. Même s'ils ne vivent pas encore ensemble, et pire que ça, on avait vu que si c'est un Cohen, le fiancé, c'est un Cohen, alors que sa femme n'était pas une cohénette, elle pourra même manger de la trouma. D'accord? Parce que, puisque c'est le bien du mari, en théorie, alors là, on avait expliqué, et sur ça, on va avoir un petit supplément sur notre Mishnah. Dans notre Mishnah, le mari, lorsque elle devient, certes, le bien du... En théorie, elle devient le mari, depuis le moment du fiancé, ça devient le bien du mari, il devrait, en théorie, la nourrir. Seulement, on craint que, s'il va lui donner à manger, elle c'est une famille de Israël, elle va lui donner à manger de la trouma. Elle ne sait pas comment manipuler ça, elle le donne à manger à ses frères et à ses sœurs, alors que c'était, on est passible de Chiyuv Mitav et des Shamaim, celui qui mangeait de la Trouma. Donc du coup, Chamim ont instauré, même le fiancé Cohen ne donne pas à manger de la Trouma à sa femme, sauf si toutefois arrive les 12 mois, qu'étant donné que, dès lors, il n'a plus la possibilité de... dès lors, c'est lui entièrement qui doit la nourrir, alors à la maison, maintenant, elle ne va plus se servir au frigo naturellement, elle devient un petit peu étrangère, on lui met une table à part, et dans ce cas-là, elle pourra même manger de la Trouma. Ça, on verra à la fin de la Mishnah, un supplément, que les choses ont relativement changé depuis, selon la Takana initiale, après il y a eu une évolution. Pour le moment, on va s'intéresser à une petite parenthèse, selon le même principe. Imaginez maintenant que le frère Cohen, le Cohen d'abord qu'il avait fiancé, qu'il décède. Alors on avait appris dans Yevamot que maintenant, si le frère décède, son autre frère, il doit la prendre pour faire le hiboum. Est-ce que maintenant, ce deuxième frère, il devra lui donner à manger de la trouma au bout des 12 mois. Imaginez, elle s'est fiancée en Shvat Tafshin Pebet, l'année dernière. Alors, Rosh Chodesh Shvat, elle s'est fiancée. On l'a dit qu'elle devait se marier. Entre-temps, en Kislev, le futur, il est décédé. Donc maintenant, c'est le frère maintenant qui doit faire le hiboum. Il doit faire le hiboum. Maintenant, on est arrivé à Shvat, ça fait déjà un an qu'elle est en train d'attendre. Est-ce qu'il pourra lui donner à manger de la trouma ou pas? Et la réponse, elle est que non. D'accord? On va faire ça dans les mois pour en expliquer un petit peu mieux. Il y a une marque un peu importante entre les rishonim, comme on expliquait la Mishnah. D'abord, je vais lire et traduire. Ayavam, enoma achil batruma. Le yavam
ne peut pas donner à manger de la Trouma. C'est-à-dire, c'est Eliyahu le Kohen, il ne pourra pas donner à manger de la Trouma. Même si c'était son frère Kohen qui l'a marié, et qu'après 12 mois, le frère Kohen, il doit lui donner, il devait lui donner à manger. Maintenant que le frère et le fiancé il est décédé, et que c'est son frère qui doit lui donner à manger, Chachamim m'ont dit, la Torah l'a dit, Ve nefesh ki ikne kinan kaspo, lorsque un Kohen il acquiert un bien, il lui donne à manger. Or, la fiancée, c'est pas le bien du Yavam, c'est le bien du frère, du défunt. Le frère, le défunt, il est plus sur terre. Le Yavam ne peut plus lui donner à manger. On va expliquer un petit peu mieux après. Pour le moment, j'avance. Asta shisha chodashim bifna baal, shisha chodashim bifna Yavam. Si elle était 6 mois devant son fiancé, et puis son fiancé après il est mort après, et ça fait 6 mois maintenant que le Yavam il lui dit ouais, bientôt je me marie avec toi, il fait traîner. Maintenant elle a fait 12 mois au total. Elle a fait le kolan bifna baal, et même si elle avait fait quasiment tous les 12 mois, chaser yom echad bifna Yavam, mais elle n'a pas fini l'année, il lui reste après un seul jour qu'elle se retrouve devant le Yavam, malgré tout, oh kolan bifna Yavam, chaser yom echad bifna baal, au contraire. Depuis le moment où ils se sont fiancés, le lendemain déjà, le fiancé est décédé. Ça fait maintenant 12 mois qu'elle attend pour faire le hiboum. Et malgré tout, et ben dans tous ces cas de figure, Ena Ochelet Bitrouma, elle n'aura pas le droit de manger le Trouma parce que le Kohen Yavam ne peut pas donner à manger, n'a pas la capacité de donner à manger à la femme la Trouma. Voilà pour la présentation générale de la première partie de la Mishnah. Après la deuxième partie de la Mishnah, on change de sujet, on le verra après. Mais d'abord, il y a un point très très important à expliquer. Pour comprendre, c'est très technique, mais on a vu là, on a vu que donc le fiancé, lui, selon la halakha stricte, selon la Torah, il avait le droit de donner à manger d'eux le jour du fiançailles même, de donner à manger à sa femme, parce que ça y est, sa femme, elle devient, il donne à manger à sa femme, même la trouma, parce que la femme, elle devient maintenant la propriété du Kohen. Chachamim m'ont assuré que non, que malgré tout, de peur, comme on expliquait, de peur qu'elle va donner à manger à quelqu'un d'autre. Mais après 12 mois, il est, puisqu'il a l'obligation de la nourrir entièrement, elle est maintenant, elle tombe à ses frais. Donc du coup, Rami on dit, si t'es Kohen, tu peux aussi lui donner à manger de la trouma. Et là, comme on a expliqué, il y a le Yavam qui peut plus, que si toutefois le frère, maintenant, le fiancé, demeure, le frère, le Yavam, n'a plus, lui, la capacité de lui donner à manger de la trouma. Mais, qu'est-ce qui se passe si vous faites attention? Alors donc, du coup, la Mishnah me dit d'aucune manière, puisqu'elle n'a pas mangé de la trouma, elle ne pourra pas manger de la trouma. Maintenant, on a une question technique. Il y a une marloquette très importante ici. Qu'est-ce qui se passe si toutefois elle a passé 1 an et demi jusqu'à que son fiancé à la fiance? C'est-à-dire, depuis longtemps, jusqu'à. Ils ont fixé avec le fiancé qu'ils allaient se marier à telle date, comme on a dit, Shvat Tavshin Pebet. Maintenant, ils ont fixé qu'en Shvat Tavshin Pegimel, ils se marieront, or ils ne se marient pas. Ils passent encore 4-5 mois, c'est comme ça. Jusqu'en Tamouz, le pauvre fiancé fait un accident de voiture, il meurt. Maintenant, elle devient devant les femmes. Maintenant, il faut bien faire attention. Depuis Rosh Chodesh Shabbat, elle a commencé à manger de la trouma. Qu'est-ce qui se passe le jour où le fiancé meurt et que maintenant elle devient devant les femmes? Il y a une marloquette sur ça importante. La Mishnah, elle semble dire que non, dès qu'elle a mangé, c'est fini, elle continuera à manger. D'accord? La raison, elle est simple, qu'en réalité. Oh, alors c'est là où ça devient compliqué. Le Bartenor, je vous explique la Mishnah, pas comme le Bartenor. Le Bartenor, il nous dit. En réalité, tout ce que la Mishnah nous dit qu'elle a fait 12 mois moins un jour, ça ne change rien. Même si elle a passé 3 ans, elle était fiancée, même si elle a commencé à manger de la trouma. Depuis le jour où le mari meurt, ou le fiancé meurt, elle ne mangera plus de trouma parce que le frère Cohen n'a pas la capacité de donner à manger de la trouma à sa Yevama, à la Skouka et Iboum. Il n'a pas la capacité, c'est pas son bien, c'est pas lui qui l'a acquise, c'est son frère, le frère défunt, il n'est plus sur terre, il ne peut plus donner à manger. Il y a sur ça le Tosfot Yom Tov qui rallonge longuement pour en apporter la vie de Tosfot, qui pense qu'en réalité, si elle a déjà mangé la trouma, elle pourra continuer à manger la trouma. D'accord? Et il explique que la dracha qu'on a dit, Nefesh Kinan Kinan Kespo, c'est pas son Kinan Kesef, c'est le Kinan Kesef du frère, c'est pas une vraie dracha, c'est une Asmarta Bealma, en réalité, c'est qu'un décret que Rami m'a instauré, mais selon la stricte, elle peut même le Yavam a la capacité de ne manger sa fiancée. Donc du coup, si elle a déjà commencé à manger, elle pourra continuer à manger. D'accord? On a fini pour la première partie. Deuxième partie de la Mishnah, ça revient maintenant sur la Mishnah précédente. Zo Mishnah Rishona. Ce que je t'enseignais, c'était la Mishnah Rishona, c'était la Mishnah initialement. Ce que je t'ai dit que le fiancé, après 12 mois, donne à manger à sa femme, c'était que selon le premier décret. D'accord? Que, je reprends, selon la Torah, elle pouvait manger depuis le jour du fiançailles. Rami moins souris dans 12 mois. Mais après, pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur que quand elle va être chez elle, elle va donner à manger à ses frères et à ses soeurs. Après 12 mois, Rami avait dit. Bon, c'est bon, maintenant tu commences à lui donner à manger, mène de la trauma, on ne craint pas qu'elle va donner à manger à son frère et à ses soeurs, parce qu'on va lui faire une table à part. Mais ça, c'était que Mishnah Rishona, c'était que à la première
période du décret. Parce qu'ensuite, Bet Din Shalachareen, le Bet Din qui est venu ensuite, ouais, une génération après, Amorou, ils ont instauré que En Aisha Khaled Bitrouma, Achitigan Slachoupa, on interdit à toute femme fiancée à un Kohen, même qui est passant depuis 4 ans, de manger de la Trouma. Pour quelle raison? De peur, tout simplement, que le mari qui va se marier avec elle, il va en fait, ils vont se retrouver maintenant en intimité, il va découvrir qu'elle a un défaut physique qu'il n'était pas au courant, et qu'à cause de ça, il va dire non, j'annule ce mariage, je ne voulais pas me marier avec elle. Ouais, il va découvrir que je ne sais pas quoi. Il y a toutes sortes de défauts qu'on va évoquer plus tard. C'est quoi exactement toutes sortes de défauts? On l'a camouflé jusqu'à maintenant, mais maintenant, ça y est quoi. Donc de peur qu'en fait, qu'il va la remballer chez son père, en annulant le mariage, et bien c'est vrai qu'elle n'était pas mariée. Et si elle n'était pas mariée, c'était une étrangère qui mangeait de la trouma. Et c'était assourd. Donc du coup, Khamim m'ont instauré, tant qu'il ne se marie pas avec elle et qu'il commence à vivre avec elle, comme ça, il voit qu'elle a pas de, il se plaint pas, alors on lui interdit de manger de la trouma d'aucune manière, même si ça fait longtemps qu'elle est en train d'attendre. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Vesalah.